Hello tout le monde, c'est Elnora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Réveillé. Il t'a sauvé. Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où elle est. Elle s'appelle Lacuna. Attends. Et il trouvera un bateau. Quoi ? Non. Amicia. Et chez nous, on avait un chien. Mais je le voyais pas beaucoup. Parce que tu pouvais pas sortir. Oui. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble. Ah. Je vois. On y est ? Où est le bateau ? Où il est ? J'espère qu'il est grand. Plus très loin. Je libère nos chevaux. Pour la fin, on va prendre un chemin plus sûr à pied. Je voudrais vérifier. Je peux ? Ça fait 2 jours, là. Bon. T'es raccommodé. Plus ou moins. L'estable est sûr à l'air libre. Ça fera un peu mal de temps en temps. Respire et détends-toi. Il faut te dire que ta voix n'aide pas. Arrête de jouer les durs. Ça te réussit pas trop. Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir. Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Pourquoi je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes. Le comte a lancé son armée contre nous. La racaille de Provence. Beaucoup de mes hommes, mes amis, ont été tués ou ont filé. Tôt ou tard, ils finiront par m'avoir aussi. Alors tu veux fuir ? Oui. L'étau se resserre, mais vous avez peut-être la solution. Les rats. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après. Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire, c'est me garder en vie, jusqu'à ce qu'on y soit. Amicia, viens ! Viens voir ! Oui, j'arrive. Fais très attention. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferais mieux de te tuer. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? Tu sens cette odeur ? Non ! Ok ! Oh Seigneur, c'est moi ça ! Non ! Ça sent les algues ! Allez, viens ! Attends ! Il faut qu'on parle ! Pas maintenant ! La mer est vivante ! Hugo ! Donc ! C'est important ! Le gars qui est venu... Est-ce qu'elle parle beaucoup, Amicia ? Donc le gars qui est venu nous sauver... C'est Arnaud ! Rendez-vous compte de ça ! C'est énorme ! Ok, alors comme d'habitude, eh ben on va partir dans des collectibles.
Donc on va chercher la petite plume, on va chercher deux souvenirs et un coffre mystère. J'espère que tu ne lui as pas dit pour tes rêves, pour tout le reste. Hugo, reviens. J'ai pas envie de jouer. Je ne parle pas au poulet. C'est si dur pour toi d'être agréable, espèce de petit... Au moins, tu as l'air d'aller mieux. Bon, là, on peut pas aller. Essayez de trouver une plume là-dedans. Il n'y a pas de nid. Ok. Hugo, tu ne m'as pas répondu. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui ? Contrebandière, bateau rapide, discret, il n'y a pas mieux. Parfait. Encore des truands. Oui, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à Lacuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau, soit tu vas à la nage. J'ai trop hâte de prendre le bateau. Ah, tu l'entends ? Ça, c'est une bonne attitude. Ça, c'est une bonne attitude. Ah non, mais les gars, sérieux ? C'est trop haut ! Saute, je te rattrape. Hé, attention ! Merci. Bien. Surtout, ne m'attendez pas. Tu pèses ton poids. Bah non, hein. Ta sœur te nourrit bien ? J'adore manger. Hé, regardez en bas. Arrêtez de courir comme ça. C'est lui qui fonce. Ralentis, petit gars. On a une blessée. C'est trop aimable. Bon, alors, est-ce qu'on a des trucs à ramasser ? Waouh, il y en a plein. C'est une armée d'oiseaux. On dirait bien. Je serai toi, je sonnerai la charge. Je peux, Amicia ? Si tu veux. Mais c'est une armée de mouettes ? Allez, soldats, chargez ! Si on avait eu plus de gars comme lui dans nos rangs, on aurait battu les Anglais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu connais à la guerre ? J'étais chevalier avant, en Guyenne. Oh ! On vient de Guyenne. Un beau gâchis. C'est vrai. Bon, les gars, attendez, parce que vous courez, mais... Hé ! Vous m'avez vu charger ? Oui ! Ils ne reviendront pas de sitôt ! Je pourrais être un soldat ! C'est sûr ! Oh, je ne crois pas. Un jour, il sera assez grand pour choisir. On verra. Ouais. Ouais, on va voir, on va voir. Ah ! Il y a une petite maison. Ah, bougez pas. Ah. Et des petites choses qui brillent là aussi. Ça a l'air calme. Quelqu'un habite ici ? Non, je ne pense pas. J'aimerais bien vivre ici, moi. Juste devant la mer. Alors, un couteau. Qui sera potentiellement... utile pour notre coffre. Ah. Parlons de coffre. Ah, on peut rien ramasser. Qu'est-ce qu'on a peur là ? Regarde ça. Ah, oh, bah voilà, notre première plume. Ça doit venir d'un oiseau marin. Une mouette ? Sûrement. Et maintenant, elle est à toi. Tiens. J'aime bien les mouettes. Et là, on peut pas grimper de toute façon. Alors, première plume. Celle de la mouette rieuse. On appelle ça des mouettes rieuses, ici. Quoi ? Tu vois ? T'en deviens une, toi aussi. Viens, on s'en va. C'est qu'il est rigolo, le petit Arnaud, là. Bon, moi, ça m'intrigue. Pourquoi ça brille par là, là ? On peut aller par là ou pas ? Non. Non. Bon. Ok. Continuons notre périple.
On y est. Me dis pas que c'est ça ton bateau. Bien sûr que non. Mais ça y mène. Tu vois ce poteau? Il y a une corde accrochée dessus. Tire le bateau d'ici pendant que je me charge de pousser. Tu peux faire ça? Pas sûr. Je suis tellement faible. Quand tu es prêt. Attends, on va déjà explorer les trucs. Donc là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Donc, on va pouvoir dire qu'on est prêt. Je vais t'aider, Amicia. Bien. Continuez. Arnaud ! Quoi ? Recule ! Nom de chien ! Oh, merde ! Merde ! Il t'aime bien, on dirait. Oui ! Ils ont failli m'avoir. Vous êtes malade, bordel. Allons. Bon, libérons le chemin. Je pourrais les faire bouger. Ça s'est mal terminé l'autre fois. C'est pas pareil. Je peux y arriver. Oui. Essayons. Alors, essayons. Doucement, d'accord? Oui. Donc ils t'obéissent vraiment? Comment tu fais ça? D'où ça te vient? Chut. C'est fait. Allons-y alors. Voilà. Ils vont pas nous suivre, hein? Je sais pas. Tu te trouves appétissant, toi? Sale morfane. Sans vouloir te vexer, petit gars. On peut y aller. Bon, attends, j'imagine qu'il faut que je leur donne à manger. Ok. Ah. Pardon, j'avais pas compris. C'est pour aller dessous. Évidemment. Donc tes contrebandiers sont par là? Oui, c'est un raccourci. Tu sais qu'il grouille de rats, ton raccourci? Oui. Ça veut dire aussi moins de soldats. Et on a le petit, non? Seigneur, je n'aime pas ça. Ah, moi non plus, là. Oh lolo, il est là. Oh oh. Quoi? Ils sont des millions. T'es content? On passe quand même. Parfait. N'aie pas peur. Sans blague. Hé, petit gars, ils t'obéissent. Balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Ah, excellent. Alors, wait. Parce que là, on a un chemin qui nous mène... du coup vers une lumière et l'autre vers de la hauteur. Bon, on va déjà prendre ça. Hey, voilà. C'est quoi ça? Tu l'as utilisé contre mes hommes? De l'alchimie, recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Tu verras. Ouais, bon, bah un pot après. Ah, mais moi j'ai quasiment plus de pot. Ah ouais, attends, mais... Attends. Attends. Parce qu'avec le pot, je pourrais pas aller aussi loin. Alors, on va faire plutôt ça. On va essayer, hein. Je tente, hein. De toute façon, qui ne tente rien à rien, hein. Ouh, je vais cramer. Bon, allez. Bon, ça fini. Marche. Si jamais. Ah, lui il a survécu. Allez, grimpe, je m'en charge.
Bon, regarde. Les grottes continuent par là-bas. Voilà notre chemin. C'est ça, un raccourci pour toi? Oui, bon, avec ces rats, on devrait faire demi-tour. Non, j'ouvre la voie. Tu me suis et tu fais ce que je dis. Tant qu'on s'en sort vivant. Ah ouais, donc on peut carrément pas se piffrer en fait. Merci, j'ai besoin d'un pot, j'en avais plus. Ce sera utile. Ce petit bâton. Suis-moi, point. Ah, mais attends, il y a encore un petit truc par là. Alors là, je peux descendre. Et on va se diriger. Restez près de moi. On y va. Je te fais confiance. Et me serre pas comme ça. Ça ne fera pas aller plus vite. Désolé. Mais c'est assez dur de garder son calme. On l'a déjà fait plein de fois. Oui, ben, je vous plains. On va par là-bas. Ouloulou. Ouloulou. Reste près de moi. Ouloulou. Et voilà. Facile. C'est exactement le mot que j'avais en tête. Tu n'aimes vraiment pas les rats? Personne les aime, petit gars. Ouais, alors ça n'a pas été la traversée la plus idéale. T'es sûr? Oh non, y'en a trop. C'est quoi ça? C'est un nid. Ne me dis pas qu'on doit aller là-dedans. Et si? On ne devrait pas. C'est ça, ou on reste ici. Mamma mia! Alors. Un chariot! Oh là là. Les contrebandiers ont dû l'abandonner. Je ne vois pas pourquoi. Un grand coup, on y va. Ça va être vraiment horrible, Amicia. Même le petit est terrorisé, là. Tu es sûre de toi? C'est le seul moyen. La lumière du chariot nous protégera. Je suis pas prêt à ça. Cette odeur... Moi non plus, hein. C'est quoi, cette chose? J'en ai la chair de poule. Ils fabriquent ça... avec les choses qu'ils attrapent. Comme des gens. Oh, bon sang... Tu as dit que vous étiez en Guyenne. Ça a commencé là-bas. Tu... Mais je l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi? Il ne peut rien y faire, d'accord? Nous aussi, on subit tout ça, comme tout le monde. Oh, c'est l'enfer qu'on mérite tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à Lacuna. On te soignera. C'est de la folie. Bon sang. Ça fait quelle taille, ça? Ça pourrait être géant. Oh là là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Par ici, je pense. Attention. C'est immonde. Je suis pas prête à ça, hein. Bah oh. Ça va? Pas de morsure? Je vais bien. Sauf que je suis coincé ici et qu'il me regarde comme une tranche de viande rôtie. Hugo, on devrait partir maintenant. Quoi? Pourquoi? Il est dangereux. Toi aussi. Et moi encore plus. Mais on a besoin de lui. Hey, j'ai besoin de vous ici. Bon, très bien. Amicia, regarde. Okay. Les cristaux jaunes de l'épisanguis. Où? Tu as raison. Elle est revenue. Arnaud! Ah, enfin! C'est cristaux jaunes près de toi. Casse-en un bout et envoie-le-moi. C'est bon. Je suis prêt. Vas-y.
Ça ne marchera pas tout seul. Je dois rajouter quelque chose. Alors... Du salpêtre, peut-être. Attends. Je vais pas recycler les flèches parce que je vais en avoir besoin. Ok, là on ira après. Voilà, de l'odorice, essayons-le. Arnaud, tu vois ce point surélevé avec la manivelle? Quand je fais bouger les rats, tu fonces là-bas. Oui, si tu le dis. Je sais pas du tout, il faut que je vise, hein. Ah, là-bas. Bon, écoute, on va aller par là-bas. Ah, je crois pas que ça soit ça. Hein. Voilà. Maintenant ! Ça marche ! Oui. Je sais pas ce que c'était, mais tu m'as sauvé la mise. On n'est pas sorti d'affaire. À quoi sert la manivelle ? Aucune idée. On pourrait l'essayer. Oh, attends, parce que du coup, il faut que je récupère une flèche, moi. Vas-y, hein. J'y vais. On dirait que tu pourrais utiliser ça, non? Avec ton arbalète magique. Laisse-moi voir. Ah ouais. Voilà, ça devrait tenir. Dis-moi quand je peux relâcher. Ça ira comme ça. En avant. Là-dessus. C'est quoi ça? Il y a quelque chose de collant par terre. C'est du sang. Les restes de leur proie. Et quelque chose qui sécrète. Oh! T'inquiète pas, oh, c'est pas dangereux. Tu plaisantes? Je mettrai ces poches au feu. Allez, tu y es presque. Fichu, saleté, infect. Je suis là. Oh. Oui. Ouais, content d'être en vie. J'ai été de toutes les batailles. J'ai regardé la mort en face autant de fois. Mais ces petits merdeux, ils me donnent l'impression d'être de nouveau un bleu. T'es entraîné maintenant. T'es le roi de l'optimisme. Bon. Il vous reste un tour dans votre sac pour continuer à avancer? Non. Je ne vois rien sur quoi tirer. Et je n'ai rien qui tiendrait assez longtemps. Non, il faut qu'on sorte d'ici. Attendez, j'ai une idée. Tire un carreau enflammé sur mon bouclier. Quoi? Mais il va brûler. Il a vraiment l'air de s'en soucier. D'accord. Je vais le faire. Oh. On ne demande pas deux fois. Ah. Je l'ai senti passer. Bien. Quand vous voulez. Traînez pas. On y va. On va y arriver. Je vous le dis. Ouais. Dégagez de là. Oui. Oust. Regardez-moi ces lâches retourner dans leur trou. Ah. C'est ça. Reculer devant la puissance de la muraille. Tu vois, même toi, tu t'y habitues. Oui, c'est eux qui ont peur de toi maintenant. Bon sang, oui. Mais j'ai l'impression d'avoir le bras en feu. Mais t'es la muraille. Et la muraille a pris assez de coups comme ça, gamin. Mon corps est aussi fourbu que mon bouclier. Ah. C'est ça, la guerre. Je ne sais pas quoi penser de ce cher Arnaud. Oh, je vais tenir. Ça, je sais faire. Voilà. C'est bon. Bien, c'est bon. Est-ce que tu t'es brûlé? Pas exactement. Juste une bonne tuée. On devrait avancer. Descends. Entendu. Bon, c'était pas une traversée idéale, mais voilà, des fois, courir, ça aide. Si jamais. Sachez-le. Alors... J'imagine qu'il faut aller là-bas, je vais juste voir si on a quelque chose par là. Alors, on a de nouveau un établi qu'on va pas utiliser tout de suite, parce que on va pouvoir crafter les 5 éléments un peu plus tard. Oui, on y est presque. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle? Oui, Sophia. Le scorpion des mers. C'est la chef. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ces maudits rongeurs. On verra ça de nos propres yeux. Allez, un dernier effort.
Ce bateau n'ira nulle part. Regarde, il y avait son nom ici. On ne peut plus le lire. Oui, ce Rafio a connu beaucoup de rochers et de sable au cours de ses voyages. Ça doit être triste de perdre son nom. Ben, trouve-en un autre. Je peux? Bien sûr. Pourquoi pas? Je pense qu'il le mérite. Il s'appelle... Le survivant. Ça y ressemble, c'est vrai. En fait, rien n'est jamais mort avant d'être totalement enterré. Laissons-le se reposer. Il l'a bien mérité. Ah! Tu viens? Bon bah, un autre souvenir. Parfait. Donc il nous manque encore un souvenir et un coffre. Ah, j'imagine... Ah ouais, alors... Dis-moi, ces contrebandiers, ils sont combien? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la Méditerranée. Sophia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une, de sainte? Oh que non. C'est grave fait, hein. Il ne me reste plus qu'un pot. Alors, on va récupérer... Alors, je peux récupérer un coffre là-bas avec un feu de paille. Ils sont pénibles, hein, parce que... Ils sont pénibles. Si j'allume là... Évidemment. Alors, moi ça veut dire qu'il faut que je réutilise un pot juste pour 3 cm de rat, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment nul. On peut encore monter là en plus. Bon, alors bouge pas, bah je vais utiliser un pot. Hein. J'en ai plus, mais c'est pas grave. Alors, c'est soit je monte, soit c'est par là. Je vais essayer de monter, je vais voir ce qu'il y a en haut. Ah mais je suis obligée de lâcher, je peux pas aller. Donc non, ça marche pas. Donc on va revenir en arrière. Ouais, non, je serais obligée de lâcher. Ah. Ouais. Et j'ai pas envie de mourir. Ah, on va aller par là-bas. Bah, je vois pas où il est en fait. Alors, faudrait que j'éteigne leur feu.
Bon, il y en a un qui est là. Ah, c'est pas la bonne. Ah, mais j'arrive pas à viser sa lampe. J'arrive pas à éteindre sa lampe. Ah, c'est pas vrai. Bon bah tant pis. Ah ouais, mais lui il a un casque. C'est trop tard. Attends, attends. Ah! Ouais. Viens là, toi! Ah ouais, carrément. Bon. C'est dégueulasse. La... Comment dire? C'est compliqué là, entre toutes ces armes et tout, et toutes ces potions. Est-ce que monte, si vite. Je mets là. Monte, vite. C'est compris. Ramasse des pots. Et là, je peux pas aller. Et là, je ne peux pas aller. Donc, c'est forcément plus bas. Ah, couette, couette. D'accord. Sophia, elle s'appelle le scorpion des mers parce qu'elle pique les gens. Son bateau s'appelle la Rascas. Un poisson du coin avec des épines venimeuses. On l'appelle aussi poisson scorpion. Je suis presque sûr qu'elle pique aussi. Oh, c'est fort possible. C'est fort possible. Alors, pack pack pique. On va prendre ça, hein. Pas du tout, il faut aller, hein, mais... Alors, donc on a ça là. On a, j'imagine, ça à ramener. Ouais, on peut faire encore un peu plus de bruit. Un tout petit peu plus. Allez, grimpe. Apparemment, il y a un d'accord. truc à monter. Ouais, enfin, tout ça pour ça, quoi. Ok, d'accord. Oh, c'était sympa. C'était sympa de... Il y a un coffre là. Est-ce que je m'aventure à le prendre? Alors, qu'est-ce que vous espérez trouver sur Laguna? Un oiseau. On espère trouver un endroit sûr, tout comme toi. J'avais des sources en ville. On m'a parlé d'une sacrée pagaille dans la forteresse. Une fille, un garçon. Oui. Bon travail.
remonter. Vite, je m'en charge. Oh, j'en peux plus de ces rats, moi. Ouh, attention. On est de l'autre côté de l'épave. Où on va maintenant? La torche, en bas, près de l'épave. C'est par là. Bien. J'espère que Sophia y est toujours. Quoi? Pourquoi elle y serait pas? Oh, elle peut être assez imprévisible. Non, non, non. Il faut qu'elle soit là. Ok, donc le but c'est qu'on aille vers la lumière qui est indiquée. Donc attends. Ah oh, mais j'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. Bon bah j'ai pas le choix, hein. Je vais mettre un feu. C'est bien visé. Donc il y a encore éventuellement là, mais moi j'ai plus de... J'ai plus de petites flèches. Ça c'est embêtant. S'il trouve ta contrebandière. Ces soldats sont trop stupides pour elle. Je parlais des rats. T'en fais pas, elle est le scorpion des mers. C'est elle le vrai fléau. Très bien. Ah si, j'ai récupéré une flèche apparemment. Bon. All right. Saute. Allez. En top. Oui. On y est. J'ai peur qu'elle soit un scorpion. Allons, tout va bien se passer. Alors. Ok. Ah, faut encore aller là. Attendez, juste aller là avant. C'est un cimetière de bateaux ici. Les courants sont traîtres dans le coin. Ah, notre coffre secret. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comme si on ne le savait pas. Magnifique. Donc on a ici notre coffre secret. Donc on est plutôt bien. Il nous manque encore un petit souvenir à récupérer. Et puis on aura fait tous les collectibles. Je regarde s'il y a encore des choses. Il n'y a rien. C'est super. On va pouvoir poursuivre l'aventure. C'est par ici. Ouais. Un passage discret pour les invités discrets. On est tout à fait discret. De l'eau? La cachette est tout au fond. Non. Non. J'ai peur des vagues. Oh, allez. C'est rien que de l'eau de mer. Regarde. Elle a raison. Mais... Hugo, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Écoute, pense à ton île. Mais il y a des vagues! On est presque arrivé. On peut en discuter après? Ah, commence pas, toi non plus! Assez! J'ai peur! Je vais te porter jusqu'au bout, voilà tout. D'accord. Bien. Et voilà. Seigneur. C'est assez haut pour toi? Ouais, ouais. Regarde, tu ne touches même pas l'eau. Oui. Eh bien, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être si petit. Ça dépend des jours. Tu as toujours peur? Non. Maintenant tu sais pourquoi on m'appelle la muraille. Parce que t'es comme une forteresse. Exactement. Je ne laisse rien passer. Et ton bouclier ressemble à une muraille aussi. Comment ça va derrière? Tout va bien. Maintenant qu'il s'est calmé. Ouais, ça va. Mais je peux pas monter? Ah si. Eh ben,
Merci, Arnaud. Oui, merci beaucoup. Il est temps de rencontrer le scorpion des mers. Oh là là. Est-ce qu'on est obligé? Non, je dis ça, je dis rien, mais... S'il faut combattre après à nouveau... Au risque de te déplaire, c'est mieux si je passe d'avant. Oh, mais je t'en prie. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Arnaud. Même ces charognards de rats ont pas voulu de toi. J'étais pas seul. Ça alors. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur... va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux? Ton Rafio. On doit aller à Lacuna. Affaire personnelle. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du comte sur le rable. Et... des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y. Juste une chose. Quoi ? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Vendu. Et au fait, les hommes du comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord. Venez. Alors... c'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer. Sauf que c'est pour de bon cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes, comme toujours. Elle m'a l'air sympathique. Oh, il pleut très fort. Oui, un orage de chaleur sûrement. Vous voyez cette lumière ? C'est le phare du village de pêcheurs. Le bateau de Sophia est là-bas. Est-ce qu'on va vraiment naviguer par ce temps ? Tout le sang, non ! Reste là ! Qu'est-ce que tu fais ? Joli travail. Maintenant, il y en a un autre qui arrive. Et alors ? Je peux m'occuper de lui. Tu n'as qu'à me le dire. Commande et j'exécute. Ah ouais, non, moi. Je... Seigneur. Ah ouais ! Mais attends, j'ai pas eu le temps. Tu devrais pas être ici. Désolé, t'avais aucune chance. Bien joué. C'est mon métier. Oui, je vois ça. Ouais, ouais, quand même. Même pas eu le temps de faire wa 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 que... Ok. Pas eu le temps de faire wa wa wa. Et ben, on va pouvoir y aller. Là, on sort de là. Et on n'a rien d'autre. Et on n'a rien d'autre. Ils la connaissent. Bien sûr. C'est une épine dans leur pied depuis des années. C'est parce qu'elle pique. Tellement. Ok, alors, est-ce que... Ouais, ouais.
Ah, il est là. Ouais, il est discret. Hein. C'est ta meilleure amie, Sophia. Pas vraiment. On forme une bonne équipe, mais on n'est pas bons amis. Ça veut dire quoi? Qu'on travaille bien ensemble, mais qu'on a envie de s'étriper assez rapidement. Ça alors. Alors, petit caillou, petit caillou. Hein? C'était quoi ce bruit? Petit caillou, petit caillou. Encore deux là. Attends. Caché derrière. Mais cela étant, est-ce que je peux le viser depuis là? C'était. Je deviens fou. Ah, il me voit loin. Il me voit de loin. Truc de ouf. Vas-y. Ouais, là on a bien géré. Là c'est classe, ça c'est classe. Ah, que recycler. Bon bah je recycle hein. Bon quoi qu'attends. Hé, hey, t'as toute une cour à tes pieds là. Ça fait quoi de se sentir si royal? Ferme-la ou je t'en mets une. Pour une fois que tu trouves l'amour, continue à couiner, je comprends. Ouais, attends. Donc là ils sont au nombre de deux. Il est où l'autre? Je le vois pas. Mec, t'es trop visible là. Bah lui, il va falloir que je le désingue avec l'arbalète. J'ai entendu quelque chose. Rien du tout. Je dois imaginer des choses. Ouais, t'imagines. Juste récupérer la flèche. Pas faire la fronde, mais. L'autre, il est où là? Je vois pas où il est. Continuez à couiner. Mais il est par là, mais j'arrive pas à le voir. Ah ouais, il y en a un là. Oh, mais ils sont trois. Attends. Passer une stratégie. Vous boirez pas aujourd'hui. Donc lui c'est une grosse lampe donc je peux même pas l'éteindre. C'est même pas un feu, c'est une sorte de lampe à huile. Donc ça va pas marcher.
Ah, y'a quoi là? Ouh, y'en a deux. Est-ce que si j'éteins ce feu là? Non, bon. On va essayer. Ah, lui, c'est clair qu'il faudra le combattre. Lui, c'est clair qu'il faudra le combattre. D'ouvrir le coffre un peu plus tard. Ah non, personne qui me regarde. Bon. Parfait, parfait, parfait. Et là, il y a des rats. Même pas à balancer mon petit caillou. Pourquoi? Essayer de faire contrôler les rats. Hein. Barrez-vous! Je ne mérite pas ça. Je savais qu'il y arriverait. Bah, sans en manger, hein. Reste concentré. Ah, lui, il a des... Ah, là, j'ai libéré le passage. Là, j'ai libéré le passage de ouf, hein. Pas faire mieux que ça. Ok. Maria, la propreté absolue. J'ai l'impression qu'il y en ait d'autres. Une flèche, une flèche, une flèche, une flèche, une flèche. Ah, tant pis. Ah, c'est bon, je la récupère. Ça fait beaucoup de soldats pour quelques contrebandiers. Le comte aime la loi et l'ordre. Un beau salopard. Mais il a disparu, je ne sais où, comme le sale. Ah, merde, il est là. Tu n'aimes pas beaucoup, on dirait. On se déteste. Ah, ils sont autant que ça. D'accord. Oula. Pardon. Alors, j'aurais peut-être pas dû prendre la flèche. Donc là, ils sont quatre. Il y avait un trou là-bas. Je vais voir où ça mène. Allez, monte.
Ah bah évidemment. Occupe-toi de celui-là. Vite fait, bien fait. Vas-y, oulolo. Bah moi je peux rien faire avec mon petit caillou hein, mais... J'étais sûr de gagner. Wow! Eh bah merci hein. C'est là pour le coup. On la attend des fois. Ça, ça nous mène à quoi? C'est là où il y avait les deux là. Ok, donc il n'y a rien d'autre. Donc on va sortir par là-bas. Je peux récupérer une flèche ou pas? Non, même pas. Descends prudemment. Oui. Alright. Alors, il y en a un qui vient en face là. J'aime bien récupérer une flèche. On va pas me cacher dans l'herbe. Le truc, c'est que là, ils sont trois. Oh, il va jusqu'à où, là? J'ai pas d'autre à disposition, sinon je l'aurais fait manger. Ok, alors attends. Ouais, j'ai presque envie de leur mettre le feu en fait. Avec un peu de chance. Je tente. Si je meurs, je meurs. Parfait! Mais il est trop doué, Arnaud! Allez! J'étais sûr de gagner! Bon bah. Hey! On est passé! Voilà. Bon. Bon, on met dans le feu. Ça peut marcher. Qu'on se le dise. Il y a poussé quelque chose par là. Qu'on se le dise. La Guyane ici. On avance plutôt bien. Comment va ta tête? Ça va. J'aime bien ta coiffure. Merci moi. Oh pitié. I love your hair. Ok, donc on n'est pas si loin que ça. Ah, ah attendez voir. On est par là, on va regarder ce qu'on a. Ah.
pas du tout. Je sais même pas ce qu'il y a par là. Oh, oh. Regardez. C'est quoi? Oh. C'est vieux. Très vieux. C'est un dessin. Merci. Non. Des traces de mains. Les premiers gens qui ont vécu ici, même avant les Romains. Les premiers gens? On devrait continuer. Attends. Juste une minute. Oh, c'est beau. Oui. Ça me donne envie de pleurer. Mais je sais pas pourquoi. Un beau souvenir à garder. Tu viens? Oui. Voilà. Donc on a débloqué un deuxième souvenir. Et on a obtenu tous les collectibles que nous devions obtenir. Donc, balèze. On est plutôt balèze. Il pleut de plus en plus fort. C'est rien, c'est juste un orage. J'espère que ça va se calmer avant qu'on arrive au bateau. Espérons déjà qu'on arrivera jusque-là. Voilà, parce que... On va remettre le feu, moi. Encore? Oh, c'est pas vrai. Il s'appelle la Rascasse. Il porte malheur, ce poisson. Tout porte malheur avec toi. Allez, reprends ta patrouille et essaie de pas t'endormir. Oh, on se rapproche. Rascasse. C'est rigolo comme nom. On continue. Donc là, j'ai des souris, mais j'ai... enfin des souris, des rats. Mais ils ont tous une loupiate. Hein. Alors, c'est moins intéressant. Si on passait par le haut, peut-être. Arnaud, occupe-toi de celui-là. Ils sont là. On nous a entendus ? Non. Moi, le problème, c'est qu'ils ont tous des casques, alors ça m'embête. Ah, il est passé où mon coco? Arnaud, charge-toi de lui! Toujours prêt à me battre! Vas-y coco, fais-toi plaisir! On va éliminer tout ce qu'on peut éliminer, hein, j'ai envie de te dire. Non, là. En limite, je pourrais l'atteindre avec ma... Bon, j'aurais peut-être pas dû. D'accord. Je vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Parce qu'il y a des petites souris en bas. Le problème, c'est qu'ils ont des lampes. Ah, ça m'énerve.
Putain, je peux pas atteindre la lampe. Hein. Ah si. Ah si, finalement. Qu'est-ce que c'était que ça? Hein? Je sais que vous êtes dans le coin. Oh, non. Merdasse. Ils sont là! Ne les laissez pas s'échapper! Ils savent qu'on est là! Je suis coincé ici, mais j'en ai pas terminé avec vous! On se déploie et on les trouve! Bon alors, attends. Quoi encore? Par ici! On a de la compagnie! Arnaud, occupe-toi de celui-là! Avec moi! Viens. Les uns! Ils peuvent pas être loin. C'est pas attrapez-les. On fait quoi, Amicia? Arnaud, charge-toi de lui. Viens là, là. Donc, on peut pas aller là parce qu'il y a des petites souris. Passer plus en hauteur, du coup. On va essayer de pas descendre. Mais j'adore avoir Arnaud avec moi, c'est... Je fais plus rien, hein. Arnaud, occupe-toi de celui-là. Vas-y. Viens là, toi. Je te dis, j'adore. Moi, je fais mon petit truc, tranquille. Tu vois? Ah, j'adore! Je peux récupérer un truc, non, même pas. Non, non, c'est bien. Alors, attends. Je suis obligée de redescendre. Bon, juste quand même fouiller les maisons, mais ah, il y a un pot. Voilà. Ces vagues, elles me font peur. Ça va passer. On ira sur ton île. C'est beau, Laguna. Et ensoleillé. Oui. J'ai hâte. On y sera bientôt. Voilà. Ouais. Là, il y a des souris ou pas? Bah, les rats, ils sont là-bas. Moi, c'est de savoir, est-ce que j'ai le temps de courir jusque là-bas? On va devoir sauter. Tout de suite. Ouais, ça va. Ça va. Bon, je crois qu'on est arrivé à la porte principale.
Ça a l'air sûr. Oui, ça ira. C'est là, Amicia. On peut aller le voir en attendant Sophia. Je sais pas, Hugo. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. On sera pas loin. Envoie les rats sur lui, s'il t'embête. Oui. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. Pourquoi ? C'est marrant. Je connais à peine, et j'ai déjà une dette envers toi. Non, tu ne me dois rien du tout. Ça fait partie du code. Bien alors, soyons amis, si ça peut aider. On peut essayer, mais tu finiras par vouloir me tuer toi aussi. Ok. T'as repris ton souffle ? On peut y aller. Comme évoqué dans le chapitre 4, nous allons profiter du fait qu'il n'y ait pas besoin d'avoir les 5 instruments qui doivent être augmentés en même temps. On va aussi profiter du fait que lorsque nous recommençons cette section, nous sommes à quelques pas d'un établi. Donc c'est parfait. Pour cela, comme dit auparavant, assurez-vous d'avoir au minimum 8 outils et 180 fragments. Améliorez un des instruments à fond, obtenez votre succès, puis très rapidement, cliquez sur Start et choisissez de recommencer la section. Quand vous réapparaîtrez, ne vous inquiétez pas, tous les outils et tous les fragments seront intacts. Il est vraiment, vraiment important de recommencer rapidement la section en appuyant sur Start, car sinon le jeu va enregistrer votre progression et améliorer le reste sera un peu plus complexe. Si vous n'avez pas suffisamment de matériaux dans ce chapitre, don't worry, vous pourrez le faire au chapitre 11 et au chapitre 16. Recommencez l'opération avec les 4 autres outils qu'il vous reste à améliorer et vous obtiendrez donc vos 5 succès. Et ben voilà. Donc je voulais améliorer mon arbalète, c'est un peu foutu. Mais tant pis. Au moins on a obtenu nos 5 succès. Voilà la rascasse, c'est ça ? La seule et l'unique. J'espère qu'ils l'ont pas abîmée. Je peux rien prendre, juste vérifier un peu plus loin. Nope. Tu es trempé. Oui, à la cabine. Alors, comment on met ce rafio à l'eau? Va lever l'ancre avec Amicia pendant que je vérifie la route vers Lacuna. C'est la manivelle à la proue. Je m'en charge. Oui. Ça pèse son poids. C'est une ancre. C'est fait pour ancrer. Ah, en reculons, en reculons. Sophia, je crois qu'ils ont bloqué l'ancre. Oh, les abrutis. Allez sur le ponton avec la manivelle, ça contrôle la chaîne. Allez sur le ponton avec la manivelle. C'est-à-dire ?
peux faire quelque chose? Je vais voir. Hein? Ils ont cassé la barre? Juste un peu faussé. Ces lourdeaux ont dû la traîner dans le sable. Désolé. Il en a vu d'autres. Ce bateau est un survivant. Ok, ouais, donc j'imagine que... Alors, ce qu'on va pouvoir utiliser... Ou alors, est-ce que j'utilise ça avec mon arbalète? Sophia n'a pas l'air de t'apprécier beaucoup. Ça change en fonction du vent. Mais elle m'en doit une de toute façon. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir tuée quand on m'en a donné l'ordre. Je vois. Donc, j'imagine que ça est là du coup. Je récupère des fragments. C'est cette chaîne qui bloque l'encre. Il y a un contrepoids avec un verrou. Je pense que je peux le briser. Alors, vas-y. Occupe-toi de ça. Je m'en occupe. On y est presque. Ton frère verra bientôt la Kuna. J'espère, oui. Casse-moi ça. Oui. Joli tir. Maintenant, levons l'ancre et mettons les voiles. I know. Est-ce que je peux redescendre par là ou... Il t'aime bien, alors. Tu dois savoir. Hugo est mourant. Quoi? Son sang est empoisonné. Si un remède existe, il est sur cette île. Alors il faut tout faire pour l'emmener là-bas. On y arrivera. Le dîner est servi. Joli tir. La voie est libre. Ouais, trop doué, moi. Trop doué. Amicia, est-ce qu'on part? Et qu'est-ce que je dis? Retourne dans la cabine. Oui, capitaine. Finissons-en avec cette encre. Alors, en reculant, hein. Touche au but. Allons là-haut. C'est où là-haut? Là-haut là? Et allez à bas bord. D'accord, je vais de l'autre côté. À ton signal. Bâbord. Bâbord, je crois que c'est la gauche. D'accord, allez. Oui, on a réussi. On va quitter cet endroit. Oh, ce sera trop facile. La voile ne se lève pas de mon côté. Eh ben, elle devrait. Sophia, viens. Pas encore. Merde. Ces salopards ont noué ma voile. Alors détachons-la. On n'a pas le temps de monter là-haut. Je peux essayer de la couper? Oui. Va sur le ponton tribord. T'auras un meilleur angle. Fais pas de trou dans la voile, surtout. Que se passe? Rien. Prépare-toi. On met le cap sur la Kuna. La Kuna? On va vraiment à la Kuna? Attends. Ouais, alors attends. Tu peux le faire, Amicia. Merci de nous aider, oui. Mon bateau. Elle va y arriver. Elle est douée. Je suis montée au moins ou pas du tout? Ah bon, quand même. Amicia, on navigue. On est sur la mer. Pour de vrai. Ah.
suicidaire dans cette famille ou quoi? Tout va bien. Je te tiens. Bon bah voilà, donc dans ce chapitre 7, nous prenons enfin la mer. J'ai pas traversé les choses de manière très subtile, mais bon, après, chacun fait à sa sauce, évidemment, hein, mais voilà. C'est une manière comme une autre d'avancer, hein, je veux dire, du moment que vous passez, peu importe. On a réussi donc du coup à obtenir tous les collectibles que nous devions, et en plus de ça, on a réussi à obtenir les 5 succès en lien avec l'amélioration de nos outils, donc ça c'est génial, c'est top. Bon, bah moi, sur ce en tout cas, je vous laisse. J'espère que vous avez passé en tout cas un excellent moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, ou bien me rejoindre sur Twitch, je suis également sur Twitter si jamais. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.